vie au cœur du handball français avec Lidl. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à Créteil, le Palais des Sports. Robert Houbron nous accueille en ce mercredi pour un match de la 24e journée du championnat de Lidl Star League avec la rencontre entre Créteil et Limoges. Match en retard donc pour cette rencontre du jour. Soyez toutes et tous les bienvenus, un match aux enjeux opposés pour les deux équipes. C'est ce qu'on va voir au classement dans quelques instants. On vous affichera également les compositions des deux équipes et donc le calendrier de cette Lidl Star League. On le disait, les Cristoliens qui bataillent évidemment pour rester dans l'élite du handball français la saison prochaine. Alors, c'est le dernier match de cette 24e journée qui va donc se jouer aujourd'hui. Toutes les autres rencontres ont déjà été disputées. Créteil-Limoges, donc coup d'envoi à 19h ici, en direct, en intégralité, gratuitement sur LNH TV. Au classement, ça nous donne évidemment toujours ce trio de tête avec Paris, Montpellier, Nantes. Du côté de Limoges, vous voyez, l'Europe n'est pas si loin que ça. C'est encore jouable largement pour les Limougeois, condition de ne plus perdre de points, la 8e place. Et attention pour Créteil, 14e, premier non relégable, avec aussi quelques matchs en retard. Donc, il y aura des possibilités de se donner de l'air pour les Cristoliens. Et ça va peut-être commencer par aujourd'hui, avec une victoire qui peut potentiellement les attendre face à Limoges. On le disait, il faut prendre des points à domicile pour les Cristoliens. Et voici donc les joueurs qui vont composer l'effectif aujourd'hui avec Dylan Soyer, Emeric Anzuini, Javier Boragan, Ewan Karvadek, Valentin Hamann, Yuan Giblin, Ante Babic, Robin Bolinier, Guinel Pintor, Boy Bassissoko, Rothschild Laguerre, Michael Robin, Felipe Borges, Samuel Dean, Lucas Ferrandier, David Jiménez. Vous avez marqué toujours l'absence de Jonas Poignant, de William Benezit aussi, Antoine Ferrandier, Loïc Dirasouba Calves. Voilà quelques absents du coup qui manquent dans cet effectif cristolien. Et du côté de Limoges, Yacine Idrissi est présent, Igor Mandic, Juan Andreou, Jérémy Suti, Julien Emonet, Denis Serdarevic, Romain Ternel, Dragan Gajic, Martin Lindel, Igor Zabic, Maximien Tic, Romuald Collet, Yoav Lumbroso, Nathan Pacquiaume et Mike Brassler. Là aussi, les absences d'Antoine Léger, de Ingars Doudé, tous les deux depuis le 16 avril dernier. Sinon, c'est une équipe au complet du coup qui se présente aujourd'hui à Créteil pour Limoges. Alors, les enjeux, justement, on en parle un petit peu avant le coup d'envoi qui sera donné dans un petit peu plus de 3 minutes. Donc le promu Limougeot qui n'a pas dit son dernier mot dans la course à l'Europe, ils sont dans le vrai avec seulement 3 points de retard par rapport à Toulouse qui occupe la 6e place et surtout un match en retard. Donc il y a encore cette possibilité d'être européen pour Limoges, ce qui serait, faut pas se mentir, une sacrée performance. Et de son côté, Créteil, sur les 4 derniers matchs, l'a emporté 3 fois. Donc attention aux Cristoliens, qui sont plutôt en forme pour un mal classé. En tout cas, on se donne les moyens de se sauver à Créteil, notamment en ayant très très bien négocié leur dernière rencontre dans le derby face à Ivry, concurrent direct pour le maintien et une victoire, 28-24 à la clé. 2 points vraiment très 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 précieux. C'était vraiment le match à ne pas perdre pour Créteil. Et ils ne l'ont pas perdu, on le voit à l'image, cette équipe soudée. Évidemment, qui aura à cœur à domicile devant son public de s'imposer. Et de son côté, Limoges connaît une fin de saison assez compliquée, avec une seule victoire sur les 10 derniers matchs. Une victoire en 10 matchs, et c'était face à Chartres le 14 mai dernier. Après, voilà, faut aussi dire que les Limougeaux ont affronté notamment Montpellier, Nantes, le PSG sur leur précédente rencontre. Et Nantes, c'était le week-end dernier avec un score final très salé de 39 à 22 en faveur du H. Mais voilà, il y a peut-être le chemin de la victoire à retrouver ce soir face à une équipe en théorie à leur portée. Et petit rappel du match aller, c'était en octobre dernier, la 2e journée du championnat, avec Limoges qui s'était imposé d'un petit but, 29-28. Dragan Gajic avait notamment mis 10 buts ce soir-là pour les Limougeaux. On va suivre, sera-t-il autant en forme aujourd'hui le meilleur buteur du club avec ses 204 réalisations, 77% de réussite pour l'ailier droit slovène. Vraiment une saison exceptionnelle. Et à Créteil, c'est Boy Bassissoko évidemment, le meilleur buteur, 108 buts depuis le début de la saison.
64% de réussite pour l'ailier gauche. Alors les gardiens, on voit Yacine Idrissi qui va débuter dans les cages de Limoges. Et il a franchi d'ailleurs la barre des 200 parades hein, cette saison. Il en est à 211 avec 31% de réussite face aux offensives adverses. Yacine Idrissi, le gardien marocain. C'est parti ici à Créteil entre les Cristoliens et les Limougeaux. Match important pour le maintien pour Créteil évidemment et match pour encore rêver d'Europe du côté de Limoges. Deux objectifs bien différents pour ces deux équipes. Vous pouvez d'ores et déjà d'ailleurs mettre vos petits pronostics, hein, n'hésitez pas, ça se passe sur le chat, sur YouTube, pourquoi pas. Vous pouvez mettre vos pronos ou alors aussi avec la LNH, les Kung Fu pronos, pronos avec un s.lnh.fr avec beaucoup de cadeaux à gagner, notamment des maillots offerts par notre partenaire Beansport. Et l'ouverture du score, elle est pour Limoges. Ce premier but signé Mike Brasler. La réponse immédiate pour Créteil. Et on n'a pas tardé hein, pour égaliser avec Karvalek. Il a fait son retour face à Ivry. Ewan Karvalek est absent depuis le 14 avril. Voilà donc un joueur qui va compter hein, dans la fin de saison cristolienne. Attention à la nouvelle tentative que Mike Brasler qui a tenté une passe à l'aveugle intercepté par un pied cristolien. Possession toujours pour les Limougeaux. Oh c'est joli ça, le Kung Fu avec la conclusion de Brasler. C'est déjà son deuxième but sur cette magnifique passe signée Dragan Gaïc. Et alors ça répond immédiatement hein, à Créteil avec Boyba Sissoko évidemment. Il n'y a pas de temps mort dans ce début de match. C'est bien parti. On devrait avoir une jolie partie. Mike Brasler cette fois-ci pour trouver son pivot et ça fait but encore avec le troisième pour Limoges, Igor Zabic. C'est son 60e but de la saison au pivot slovène. Pour la petite histoire, c'est un joueur qui a vécu dans le même quartier que Dragan Gaïc. Son compatriote qu'il a retrouvé donc à Limoges. À chaque fois, Créteil a réussi à réagir en égalisant après l'avantage pris par les Limougeaux. Est-ce que ce sera la même chose sur cette offensive? Yann Giblin bien pris par la défense. Giblin qui prend sa chance. Et voilà, l'égalisation à nouveau pour Créteil, 3 partout. Brasler, il est en forme pour l'instant. Il semble avoir pris un petit coup, certainement involontaire, le jeu continue. Ouais, la solution sur l'aile. Avec Julien Limonet qui a été trouvé et donc
le premier jet de 7 mètres de cette partie. Avec évidemment Gage pour s'en charger. Face à Dylan Soyer. Oh Gaïch, il régale. Ah, Dylan Soyer l'a pas vu venir celle-ci. Ah, il n'a pas eu le temps d'intervenir, on l'a vu, hein. Il est parti. Il était sur ses appuis, le portier cristolien. Sur ce petit lob. Cette fois-ci, on n'ira pas au bout de l'action. Créteil qui n'égalisera pas dans la foulée après l'avantage pris par les Limougeaux, mais la perte de balle qui va donner une nouvelle occasion aux Franciliens. Sissoko avec Gibelin et ouais, à nouveau. Attention à hein, ces possessions rendues là, parce que ça peut coûter cher. En face, il y a du talent. Alors Igor Zabic qui a eu son maillot tiré par Felipe Borges qui a pris un carton jaune. Cette fois-ci, la faute offensive. On en reste à 4-3 pour Limoges après 7 minutes de jeu ici au Palais des Sports de Créteil. Boyba Sissoko. Gibelin. Gibelin! Ah ouais, lui. Avec son bras droit là, tout en puissance. Pour l'arrière gauche cristolien. Il avait mis 5 buts hein, face à Yuri. Et là, c'est son deuxième. La réponse immédiate pour Limoges. Avec Julien et Monet. Pas en réussite hein, sur ces derniers matchs, Julien et Monet avec un seul but. Et là, ça lui en fait un sur sa première tentative. Ce qui s'est passé. Gibelin avec Sissoko. Ouais, ouais, au pivot, la solution qui fonctionne avec Ante Babic. Voilà aussi ce premier duel remporté pour le pivot croate face à Yassine Idrissi. Il joue son septième match hein, sous les couleurs cristoliennes cette saison. On rappelle, hein, il est arrivé en avril en joker médical.
suite aux blessures de Jonas Poignant et Geoffroy Carabas. Plutôt performant en tout cas, hein, Babic, sur ses matchs sous les couleurs de Créteil. Et alors lui, il faut le surveiller vraiment de près, hein. Brasseleur, avec déjà son troisième but, la moitié des buts de son équipe viennent de lui. Mais heureusement qu'à Créteil, on peut compter sur Ewan Karvalek. Lancé là dans cette défense pour ensuite ajuster le portier marocain. Une bonne nouvelle aussi pour Créteil. Aujourd'hui, c'est le retour de Robin Molinier. Absent depuis le 10 avril. Il est dans le groupe de Créteil. On le verra certainement un petit peu plus tard. Même s'il il partira à la fin de la saison, on rappelle, hein, qu'il rejoindra Cesson. Direction la Bretagne pour la saison 2021-2022 pour Robin Molinier. Oh, j'ai cru que Dylan Sohé là, il est un petit peu frustré. Il était sur ce ballon qui finalement a trouvé le chemin des filets. En puissance là, ce shoot pour permettre à Limoges de prendre l'avantage après 11 minutes de jeu. Avec Martin Lindel. Bon, c'est équilibré en tout cas, hein, cette partie. Limoges là sur ses premières minutes qui n'a vraiment pas le visage d'une équipe un petit peu en manque de confiance, en manque de réussite. C'est plutôt efficace ce qu'ils font. Puis là ils sont en supériorité numérique après la sortie de Johan Giblin, 2 minutes. C'était à 10 minutes 49, donc encore une bonne minute 30 à tenir pour Créteil à 6. Ah, c'est dommage. Bien tenté, justement, de la part de Robin Molinier. On en parlait juste avant. Il est de retour. La défense de Limoges a été très très vigilante sur cette tentative. Ça part direct et ça passe sous les jambes de Yacine Idrissi avec ce but. Ante Babic. Non, pardon, c'est Ewan Karvalek. J'ai été trompé par la vue sur Ante Babic alors que effectivement c'était... L'arrière droit cristolien qui a mis cette patate là pour égaliser à 7 partout. Allez, est-ce que Créteil va prendre l'avantage pour la première fois de la partie? Ils en ont la possibilité. Les Béliers sur cette prochaine tentative. À
attention à cet homme, la Boyba Sissoko, toujours très très bon, très régulier avec son équipe. C'est un vrai poison hein, quand vous avez à le surveiller. Et voilà Sissoko, oh, à côté. À côté cette tentative. Il en reste un but aujourd'hui pour l'instant. Et donc Créteil qui ne prend toujours pas l'avantage dans cette partie. Cette fois-ci une nouvelle possession pour Limoges avec Brasseur. Brasseur. Maternel. Ouh. T'es pas loin de rentrer ce ballon. Finalement, la sanction est arrivée à retardement pour Ante Babic. 2 minutes. Et donc le jet de 7 mètres, évidemment, pour Dragan Gajic. On avait laissé davantage hein, du côté des arbitres. Retour à la faute Gajic face à Dylan Soyer. Gajic à nouveau. Pour l'instant, ils sont parfaits, ces pénaltys pour Limoges. Le deuxième réussi. Plus de 200 buts hein, cette saison quand même hein, pour Dragan Gajic. C'est son 206e de la saison. 36 ans, infatigable, les Lillois slovènes. 7 buts face à Nantes. Et voilà, voilà Créteil à nouveau dans le coup. Avec cette nouvelle égalisation. Et cette fois-ci, Sissoko. Il a prolongé hein, son contrat d'une année supplémentaire jusqu'en 2022 pour Boyba Sissoko. Très très précieux. Pour son équipe qui pourra compter sur lui, on l'espère, la saison prochaine en Lidl Star League et non pas en Pro League. C'est vrai que quand on voit tous les talents quand même qui composent cet effectif de Créteil. Ce serait dommage de finir la saison relégué, mais ils en sont pour l'instant pas là. Ils ont un petit peu d'avance, ils ont bien négocié leur match, on le rappelle, hein, face à Ivry. C'était le match à ne pas perdre. Eh ben, ils ne l'ont pas perdu, ils l'ont gagné. Et pour l'instant, ils sont dans leur match, les Cristoliens. Allez, Gajic avec un nouveau penalty. Et encore une fois, ça passe. Pas de réussite hein, pour le portier cristolien sur les jets de 7 mètres pour l'instant. L'entrée de Samuel Dean sur l'aile. Ouais, l'interception pour Limoges. Et en contre, Gajic. Ça fait plus 2 pour les Limogeaux. 10 à 8 après un peu moins de 17 minutes de jeu. Il va peut-être falloir trouver des solutions assez rapidement pour Créteil. Perdre ses ballons en tout cas pour rester dans le coup, ne pas rentrer au vestiaire avec un score trop lourd pour l'instant. Il y a plus 2, mais attention, restez concentré, vigilant. Oh, comptez aussi sur la belle réponse
Ça c'est bien là, ce genre de shoot. Tout en puissance. Signé David Jiménez. Petite discussion avec Roland Andréou, l'arbitre. Brasseur, la bonne défense agressive de Créteil. Alors, en plus, ils sont sanctionnés. Cristolien. Alors donc le but de Romain Ternel et Johan Giblin qui va être sanctionné, là on l'a vu sur le ralenti pour ce bras sur le cou de Romain Ternel. Et donc à nouveau plus 2 pour Limoges et Créteil encore à 6. Alors est-ce qu'ils vont y aller justement à 6 et sans gardien? Alors, pour l'instant on est vigilant, on y va à 5. Valentin Hamann. Ouais, la parade de Serdarevic. Il vient de rentrer. Il sort bien là pour empêcher ce ballon de rentrer dans ses filets. Sissoko avec Valentin Hamann. Boragan. Sissoko et Hamann finalement qui a été trouvé. Voilà une jolie action collective de la part de Créteil pour marquer ce 10e but de la partie pour les franciliens face à Valentin Hamann. Et ça va vite hein, de l'autre côté, ça va vite à Limoges, on se laisse pas le temps de douter avec Mike Bressler, là on l'a vu en pleine discussion avec Samuel Dean. Il a le maillot déchiré même, hein, Bressler. Et donc un nouveau jet de 7 mètres pour Gaïc. Bon, il a mis les 3 premiers, le 4e. Cette fois-ci face à Michael Robin. Et à nouveau, c'est le deuxième qu'il nous fait comme ça, Dragan Gaïc. Et c'est le deuxième qui fonctionne, même avec l'entrée de Michael Robin, qui lui aussi s'est fait surprendre, le futur retraité, qui aura 36 ans hein, d'ailleurs vendredi. Avec d'ailleurs un recrutement assez intéressant hein, pour remplacer Michael Robin. C'est Todor Jandric, gardien serbe prometteur qui a joué notamment la Ligue des Champions cette saison. Avec Zagreb. Donc il arrivera à Créteil cet été. Puis évidemment, hein, tout le monde... saluer la carrière de Michael Robin après 5 années à Créteil pour l'ancien Célestadien, Cessonnet, Montpelliérain, Chambérien.
Et à nouveau Limoges avec cet avantage de deux buts. Pauline et Sissoko. Dean. Et finalement, cette tentative fructueuse pour Javier Boragan. C'est seulement son 13e but, 13e match pardon, de la saison. Ah, Javier Boragan, le futur Nancéen. Et aussi, il va changer de région cet été. À la défense, là, de Samuel Dean. Bien, bien attentif. Et voilà une belle défense cristolienne pour empêcher l'offensive limougeaude. Et après 22 minutes, Créteil peut à nouveau égaliser dans cette partie. Sous les applaudissements de son public. Qui répond présent hein, dans toutes les salles. C'est vrai qu'on voit que les spectateurs répondent présent au retour de la possibilité de faire venir du public dans les salles de handball. Évidemment à capacité réduite, mais c'est déjà ça de prix. Et attention, voilà, Molinier pour l'égalisation de Créteil, 12 partout. Robin Molinier. Et c'est un temps mort. Sur ce 12 partout, le temps mort qui a été demandé par Tariq Yatoun, le coach limougeau. Évidemment, passer de plus 2 à égalité, peut-être des choses à régler. C'est ce qu'on va voir dans un instant sur les 7 minutes 30 qu'il va rester avant le retour au vestiaire. Et j'en profite hein, pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur les autres terrains. Alors... Là, c'est un match de la 24e journée, mais sachant qu'aujourd'hui, en semaine, on rattrape d'autres matchs en retard, hein, d'autres journées, notamment la J21, avec Dunkerque qui mène face à Ivry. Ça, c'est un résultat très important, hein, 17 à 12 après 35 minutes de jeu. 17 à 12 donc en faveur de Dunkerque face à Ivry. On rappelle, hein, Créteil et Ivry qui sont à la lutte pour ne pas descendre. Créteil, pour l'instant, a l'avantage sur Ivry, donc... C'est pour ça qu'ils seraient bien inspirés de s'imposer ce soir les Cristoliens s'ils veulent se donner vraiment beaucoup beaucoup d'air pour la fin de saison. Autre match de la J21, c'est Nantes face à Saint-Raphaël. Pour l'instant, il y a 17 à 15 en faveur de Saint-Raphaël. Et Aix qui reçoit Istres. Et attention, pour l'instant, surprise, ce sont les Istriens qui mènent 10 à 7. Istres aussi qui va lutter pour se maintenir. Mais qui fait pour l'instant une très très belle opération dans un derby des Bouches-du-Rhône à Aix. Et puis aussi un match sur Beansport hein, qui va se terminer là entre Chambéry et le PSG. 31-32, c'est serré. Il reste un petit peu plus d'une minute, 32 en faveur du PSG. Hein. Allez, retour à Créteil. Le match qui nous intéresse là sur LNHTV, 12 partout. Et peut-être le premier avantage qui sera pris, pourquoi pas, par Créteil. On rappelle, ils n'ont pas réussi à prendre les devants pour l'instant dans cette partie face au Limougeau. Aman avec Boragan et Serlarevic bien présent là sur cette tentative lointaine de Javier Boragan. On le voit, hop, qui vient détourner ce ballon qui prenait la direction de sa lucarne.
Brasseur. Brasseur à nouveau avec Ternel qui voit ce ballon lui échapper des mains, finalement récupéré. Limoges toujours en phase offensive avec cette tentative pour Julien Aymonet qui va frapper le poteau. Ouais, il n'a pas détourné hein, Michael Robin, c'est vraiment la tentative qui est venue s'écraser sur le poteau gauche. Minutes à jouer avant la mi-temps. Ouais, ça passe au-dessus. Cette tentative pour Romuald Collet. Et voilà. Voilà l'avantage pris par Créteil. Avec ce 13e but très très important par l'arrière droit espagnol. Très en vue hein, sur ce début de rencontre. Javier Borragan. Très très actif et c'est son deuxième but. Créteil qui donc mène pour la première fois dans cette rencontre. Un moment important. À quelques minutes à peine de la mi-temps. On attend la réaction de Limoges. Podcast là avec Romuald Collet. Hop, on le revoit, stoppé une première fois, une deuxième fois. Avec David Jiménez. Collet avec Ternel et la parade de Michael Robin. De retour au vestiaire pour récupérer ce ballon. Alors j'ai pas compris pourquoi ce ballon est sorti en corner. Bref, retour au jeu avec Andréou. Juan Andréou. Qui a juste Michael Robin pour marquer son premier but aujourd'hui. Sissoko, Sissoko. Et voilà, inarrêtable, hein, Boyba Sissoko quand il est lancé comme ça. Avec, on l'a vu, hein. Valentin Amann là qui a fait écran. Très très bien joué. De la part du collectif cristolien qui reprend à nouveau les devants 14 à 13. Et en plus Julien Aymonet hein, qui va revenir pour Limoges. Allez plus que 7 secondes à jouer en infériorité numérique. Mais entre temps, il y a eu aussi la sortie de minute pour Juan Andréou à la 27e. Donc là, ils sont à 5 de retour à 6. Ça y est, on l'a vu hein, avec l'entrée de Igor Zabic. Donc Limoges à 6 avec le but vide, comme indiqué sur votre écran. Avait une belle solution pour trouver Maximilien Tic.
Nouvelle possibilité pour Limoges avec Brasler, peut-être. Brasler tout seul. Non, la solution collective, Romuald Collet. Et pour retrouver au pivot, Igor Zabic qui s'est retourné. Hop, on l'a vu. Malgré la défense de Samuel Dean, dont il a réussi à se dépêtrer, Igor Zabic, pour finalement égaliser à nouveau pour Limoges. On en est à 14 partout. C'est serré. Il y a des buts, franchement. Il nous plaît. Il nous plaît beaucoup, ce match. Tiens, le point score avec le match terminé entre Chambéry et Paris. Score final, 32 partout. Ouais, match nul donc entre les Chambériens et les Parisiens pour le retour du public au phare, hein, notamment dans cette salle toujours très très chaude. Et ben voilà, les supporters qui ne sont pas déçus avec leur équipe qui réussit à accrocher le Paris Saint-Germain. Peut-être que vous nous rejoignez d'ailleurs après avoir regardé cette rencontre sur Beansport, soyez les bienvenus. Bon, c'est bientôt la mi-temps, mais restez avec nous. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de suspense sur cette rencontre. Match en retard de la 24e journée, on le rappelle. Allez, c'est reparti, il va rester 1 minute 30 aux deux équipes pour essayer de faire la différence avant le retour au vestiaire. Peut-être pour Créteil. Sissoko, Molinier. Un nouveau Sissoko. Allez, ça passe pour Javier Bourragan. Ouais, malgré la défense de Romuald Collet, là on l'a vu. Quinzième but pour les Franciliens. Limoges qui tente à nouveau d'égaliser avec le but vide. Attention, ne pas perdre la balle. Mike Brasler là, toujours avec son maillot déchiré. Et Brasler qui vient trouver une solution face à Mickaël Robin, un petit peu surpris sur cette tentative soudaine, puissante sous la barre. 7 secondes, Molinier. Ah, il en reste une dernière là quand même pour Créteil. Avec Johan Giblin et ce Geffran. Sarlarević dans les cages. Le mur de Limoges. Giblin ! Oh, j'ai cru qu'il allait réussir à trouver le cadre. Et ben non, finalement, on en reste sur ce score de parité à la mi-temps. 15 partout. Dans cette très très belle partie entre Créteil et Limoges. Malgré les enjeux importants pour les deux équipes, on le rappelle. Limoges qui veut encore rêver d'Europe pour un promu, ce serait beau. Et c'est encore possible à condition de gagner, hein, surtout que Limoges n'aura plus beaucoup de rencontres d'ici la fin de la saison. On en parlera un petit peu plus tard, hein, notamment sur la deuxième mi-temps. Et pour Créteil, évidemment, l'objectif c'est à nouveau de se donner encore plus d'air, hein, sur la zone de relégation. On le rappelle, ils ont réussi à s'imposer face à Ivry. Ivry a même perdu, est en train de perdre plutôt en ce moment. Donc voilà, Créteil doit prendre les deux points pour être un petit peu plus confortable, on va dire, sur cette fin de saison. Mais tout reste à faire pour les deux équipes. Restez avec nous, rejoignez-nous pour la seconde période, puisque vraiment, je pense que ça va être encore très 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 sympathique sur LNHTV. Créteil-Limoges, 15 partout, à tout de suite.
plus fort du Sam avec Mohamed Sanal. Cœur du handball français avec Lidl. Entendu les protestations, le capitaine Bonnefasse qui se prend une télévision sur le ville. On enquête pour une année supplémentaire, tandis que les 200 Antoine Frémandier et Thibaut Gérard-Soignan seront eux historiens jusqu'en 2023. Enfin, deux jeunes joueurs formés au club et resteront jusqu'en 2024. Le portier Gérard-Soignan, et les Édouard Henrik Hans-Hubert, qui signe là son premier contrat professionnel.
On est de retour au Palais des Sports, Robert Houbron de Créteil, pour suivre ensemble la deuxième période de ce match entre Créteil et Limoges. On rappelle, si vous n'étiez pas avec nous sur la première mi-temps, qu'il y a 15 partout entre les deux équipes, avec un match très très agréable à suivre. Alors certes, on a des gardiens qui ne sont pas forcément à la fête, ce sont plutôt les attaquants hein, qui se régalent, et les offensives font mouche quasiment à chaque fois des deux côtés. Mais vraiment, c'est un match à suspense. Tout est à faire pour les deux équipes, on le rappelle, avec les objectifs différents hein, pour Créteil et pour Limoges. Pour Créteil, évidemment, va falloir prendre des points à domicile, en plus devant son public qui a fait son retour, pour espérer se maintenir confortablement. En tout cas, ils vont se donner les moyens de le faire, certainement les Cristoliens. Et du côté de Limoges, il y a encore un espoir d'aller en Europe la saison prochaine. Et pour ça, il faut gagner et revenir à un point de Toulouse en cas de victoire, hein, on le rappelle, puisque Limoges a un match en retard par rapport aux Toulousains. 3 points de retard, donc effectivement, s'ils l'emportent aujourd'hui, ils reviendront à un petit point. Et après ça, il restera 3 matchs hein, au Limougeau pour terminer la saison. Oui, puisque Limoges est une des rares équipes à avoir disputé quasiment tous ses matchs, hein, à part celui-ci en retard. Ils sont à jour, les Limougeaux. Il va leur rester Limoges-Dunkerque ce samedi, 18h sur LNHTV. Aix-Limoges le 2 juin sur Bein et Istres-Limoges le 5 juin pour la dernière journée. Donc bientôt la fin de saison. Et il va rester encore maximum 8 points à prendre pour Limoges en comptant ceux d'aujourd'hui, s'ils réussissent à en prendre 2. D'ailleurs, entre Dunkerque et Ivry, on s'approche de la fin. Il reste un petit peu plus de 7 minutes. Dunkerque qui mène largement 27-18. Donc Ivry se dirige vers une défaite, ce qui est une bonne nouvelle pour les Cristoliens, on le rappelle, à la lutte directe pour le maintien avec Ivry. Dunkerque qui, avec ce résultat, cette victoire, assure quasi définitivement son maintien en Lidl Star League. Bonne nouvelle pour les nordistes. Et dans l'autre rencontre de 18h30, il y a 28-25 en faveur de Saint-Raphaël à Nantes. C'est quand même une surprise, hein, Saint-Raphaël qui mène de 3 buts à Nantes. On rappelle Nantes qui était le bourreau de Limoges le week-end dernier avec 39-22 hein, pour les Nantais. Et là, voilà une chute. Pour l'instant, il reste encore un petit peu de temps, mais Nantes est menée de 3 buts sur son terrain. Allez, c'est reparti ici au Palais des Sports. Créteil-Limoges, 15 partout. Bon, bah on a déjà un souci. Avec un faux départ. Ouais, chrono qui n'était pas parti. Cette fois-ci, le voici le coup d'envoi de la seconde période. Entre Créteil et Limoges. C'est bon, ça tourne bien. Et donc la possession pour les Cristoliens. Sissoko avec Aman. Et Sissoko qui va être le premier à prendre sa chance et obtenir même un jet de 7 mètres avec cette faute de Romuald Collet. Voilà l'âme du club qui prend les choses en main comme d'habitude. Boyba Sissoko. C'est Felipe Borges qui se présente face à Serdarevic pour le tirer. Felipe Borges entre les jambes de Serdarevic. On n'aime pas quand on est gardien prendre ses buts. Très très frustrant. Et voilà. Le premier but de la soirée pour le Brésilien.
coller avec Lombroso. Coller qui passe et qui vient ajuster Michael Robin. Illico presto, l'égalisation de Limoges. Mais regardez Boyba Sissoko qui a été lancé. Oh, ça va vite avec Boyba Sissoko. 17e but de Créteil aujourd'hui. Tout est à refaire à nouveau pour Limoges. Ah, faut suivre, hein, ça va vite en tout cas sur cette rencontre. Ah, la passe, il a été pris là. Le pivot Limojo avec Samuel Dean et Guinel Pintor. Non, pardon, c'était Karvadec avec, avec Dean. Dragan Gaïc. 4 sur 4 au pénalty pour l'instant. Et le cinquième, ça passe à nouveau pour le Slovène. C'est compliqué, hein, d'arrêter un jet de 7 mètres face à Dragan Gaïc. Et il sera d'ailleurs à surveiller de très près sur le Money Time, puisque nos amis de handnews.fr ont fait un article, hein, au sujet du Money Time dans le handball. Et Dragan Gaïc est le joueur le plus décisif sur les dernières minutes, du coup, lorsque le score est serré, pour arracher une victoire, un match nul. 0,73 buts par match, hein, pour Dragan Gaïc dans le Money Time. Je vous invite à aller lire tout ça sur news.fr. Allez, Boyba Sissoko. Lombroso. Oh, Lombroso. Pris par Valentin Hamann. La grosse défense de Créteil, il a applaudi par le banc, on l'a vu, qui s'est levé avec Karvadec. Ah, ils sont agressifs en défense, les Cristoliens. Et ils obtiennent même la possession. Créteil qui mène d'un but avec la possibilité de mener de deux buts. On va suivre ça là, regardez. Pas de solution pour Igor Zabic à Limoges. Et Créteil qui se relance avec cette offensive à venir. JB imperturbé par Collé. La possession toujours pour les Béliers. Karvadec, Sissoko, Giblin, Sissoko. Giblin! Ballon contré, Karvadec qui le récupère. Bien harcelé par Romuald Collé. Ah, Sissoko avec Valentin Hamann qui n'a pas été trouvé. Et Serdarovic peut relancer son équipe. Avec Créteil qui n'a pas profité là, de cette possession pour prendre deux buts d'avance. Et finalement, regardez Limoges qui va à nouveau se présenter face à Michael Robin. Et non! Intervention des arbitres. Faute. Maximilien Tic.
Sissoko, oh, Sissoko, tout seul. Il a attaqué, mais pas suffisamment hein, face à un tel joueur. Hop, on le voit. Pour finalement s'ouvrir une possibilité de tirer, c'est ce qu'il a fait. Sissoko, et voilà, plus 2 pour Créteil. Lombroso. Ballon perdu, ballon perdu. Attention, regardez comme ça va vite. Avec Karvalek, face à ça sert Darivic, pardon, je me suis embrouillé, mais c'est finalement le plus 3 pour Créteil, 20-17. Ouais, ces deux minutes, elles sont fatales hein, au Limoujo. Le temps mort avec, bah, évidemment, hein, du côté de Créteil, les consignes de continuer sur cette lancée. Ils sont bien rentrés sur cette seconde mi-temps, les Cristoliens. Et pour Limoges, il y a peut-être pas mal de choses à régler selon Tariq Ayatoun. Les consignes des deux coachs qui ont été données. Attention à Limoges. Hein. Qui va devoir se reprendre assez rapidement dans cette partie. Collé. Éternel avec la solution au pivot pour trouver Igor Zabic. Voilà une belle offensive conclue par le pivot slovène. Voyager dans sa carrière, hein, le pivot de 28 ans, passé par la Pologne, la Hongrie, le Portugal. Désormais, la France avec la Ligue de Star League. Gibelin qui va buter sur Serdarevic. Vigilant, le portier Limoujo, même si ce shoot était peut-être un petit peu trop sur lui, sans difficulté particulière. Et malheureusement, ses coéquipiers qui n'en profitent pas hein, pour procéder en contre. Et regardez, Boyba Sissoko! Ah, il pique quand il faut, hein, Boyba Sissoko. Il fait mal, toujours présent. Pas de solution sur l'aile. Si finalement ballon récupéré par Jérémy Suti, harcelé là par la défense cristolienne sous les applaudissements du public. Bras levé, Romain Ternel qui s'ouvre le but finalement pour réussir à ajuster Mickaël Robin. Il était sorti là le portier cristolien. Ce ballon qui a filé entre ses jambes. Limoges qui revient à moins 2. Ah, c'est le moment hein, les supporters Limoges d'encourager votre équipe, notamment dans les commentaires. Vous ne pouvez pas le faire évidemment en live, mais sur les commentaires, n'hésitez pas à mettre vos petits mots d'encouragement pour votre équipe. Si vous pensez que c'est encore faisable, si Limoges va revenir dans la partie. Et pendant ce temps, Créteil qui a mis un plus 3 avant de se faire rejoindre à nouveau à moins 2 avec Jérémy Suti. Ça va vite, hein.
ça va très très vite dans cette partie. C'est très très offensif, on devrait passer sans trop de problèmes la barre des 30 buts pour chaque équipe. Avec beaucoup de réussite hein, de chaque côté. 80% de réussite sur les tirs pour Limoges. 71% pour Créteil. Pour vous donner une idée, hein, seulement 3 arrêts de Serdarevic pour Limoges. 0 pour Yacine Idrissi hein, sur les 9 tentatives qu'il a subies. Et pour Créteil, alors là, c'est pire, puisque un seul arrêt pour Michael Robin. Il est à 9%, hein, 1 sur 11. Et Dylan Soyer, qui a débuté la partie, n'a fait aucun arrêt. 0 sur 10. Voilà. Donc, alors pour les gardiens, évidemment, hein, c'est pas leur jour de fête, mais nous, ça nous offre des buts. Même si c'est vrai que on aime aussi voir de très beaux arrêts. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais attention, on va compter sur les portiers de cette partie pour se réveiller sur la fin de rencontre. Et pourquoi pas sur ce jet de 7 mètres avec Felipe Borges face à Serdarevic. Et oh, j'ai cru qu'il l'avait, Serdarevic. Ouais, Borges qui finalement remporte son duel. Ah, il l'avait, il l'a touché, hein, on l'a vu. Avec ses doigts qui ont effleuré le ballon, finalement pas assez dévié. Et il va finir sa course dans les filets de Serdarevic. Gardien d'origine bosnienne. Ancien de Caen. Hein. Serdarevic qui a d'ailleurs passé la barre des 100 arrêts cette saison en Lidl Star League. Il en était à 99 avec cette rencontre, avant cette rencontre. Et il en a fait 3 pour l'instant, donc 102 arrêts cette saison pour Serdarevic. Collé. Ouais, là, remué par Karvadek. Pas de faute, ça joue toujours. Et finalement, on va siffler une faute offensive. Alors, ça va certainement pas être du goût d'Eli Mougeot. Mais le jeu continue et Boyba Sissoko. Alors, peut-être falloir revoir tout ça. Hop, Sissoko. Ouais, malgré l'intervention de Jérémy Suti, qui réussit ensuite à ajuster le portier de Limoges. Mais on va revenir à la possession avec le but qui n'a pas été accordé pour Boyba Sissoko. Toujours 23-20. Giblin avec Dean. Karvadek. Ouais, ça fait plus 4, ça fait plus 4 pour Créteil. Avec Valentin Hamann. Ouais, j'étais en train de lire les commentaires sur YouTube, ça parle beaucoup de l'arbitrage. Hein. Allez, à Limoges de tenter de revenir dans la partie, il reste du temps, 16 minutes 10 à jouer. 4 buts d'écart, c'est pas dramatique, il y a encore des possibilités. Mais là, on va encore surveiller ce qui s'est passé avec Karvadek au sol, qui se plaint visiblement d'un coup. Bon, il se relève sans trop de problème. Ouais, on a pas vu exactement ce qui s'est passé juste avant. Ouais, y a pas grand chose. Hein.
Brasseur avec ce ballon contré. Maternelle, collé. Maternelle. Ah, il faut le mettre ce but hein, pour Limoges avec collé. Ça passe pour Romuald Collé. Deuxième but pour lui. On connaît bien hein, l'Île-de-France, hein, Romuald Collé, passé par. Par Ivry, par Saran. Il n'avait pas marqué face à Nantes, 0 sur 4. Ben là, aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Il faut mieux le coller. Alors, encore une intervention. Encore des décisions à observer, à attendre. À revoir peut-être. Alors il y a Igor Mandic hein, qui a pris 2 minutes. Sortie de l'arrière-gauche bosnien. Les matchs qui se compliquent un petit peu la tâche en infériorité numérique, attention. Il va falloir être solide en défense. Karvadec avec la passe sur l'aile. Quelle solution pour Gibelin. Et on retente sur l'aile avec l'angle qui va être trouvé par Emery Kanzuni. Emery Kanzuni avec ce but pour fêter son premier contrat professionnel. Ah, il fait vraiment une super saison. Hein. Le jeune Cristolien, il a signé jusqu'en 2024. Et voilà son premier but aujourd'hui pour le fêter, ce contrat. En maternelle. Un Brasseur, Ternel finalement avec Collé à nouveau. Oh, quelle parade de Michael Robin! Ah, pas en réussite, hein, Michael Robin. Il avait fait la parade qu'il fallait, mais finalement il va quand même devoir s'employer face à Dragan Gajic sur ce nouveau penalty. 5 sur 5 hein, pour Dragan Gajic. Et on. Bah justement, bah non, on a changé. C'est pas Michael Robin, c'est Dylan Soyez qui est rentré dans les cages. Soyez face à Gajic. Oh ah, toujours pas de réussite hein, pour les gardiens cristoliens, décidément. Un seul petit arrêt sur la partie pour les deux gardiens de Créteil. C'est très très rare de voir ces statistiques à 13 minutes de la fin d'une partie. Allez, nouveau but pour Créteil. Karvadec. Très bonne partie hein, de la part de Karvadec avec ce sixième but à l'instant pour le fils de Guéric Karvadec.
C'est vraiment un retour gagnant pour Kerbalek, puisque on rappelle, hein, il a rejoué seulement pour la première fois depuis le 14 avril ce week-end face à Ivry. Oh, Anzuini qui était en zone. Alors on en reste à 26-22. Et donc je disais Kerbalek, hein, de retour face à Ivry, et puis là il fait un très très gros match. Attention, Romuald Collé pour Limoges, 23e but pour les Limougeaux. Pour revenir à moins 3. Ah, heureusement, heureusement, parce que là on passait d'un plus 5, hein, si le but d'Anzuini avait été accordé. Bon alors évidemment il était en zone, donc non, on n'accorde pas ce but, mais c'était une très très chaude situation pour les Cristoliens. Et heureusement pour Limoges que ça n'a pas été au bout, et qu'ensuite Romuald Collé a réussi à remettre son équipe dans le sens de la marche. Mais alors là, on a vu la patate de Johan Giblin arriver comme une fusée. On l'a pas vu venir, hein, sur l'écran là. Hop, il est arrivé et il vient ajuster Yacine Idrissi. Bon, un nouveau temps mort. On voit Jiménez là qui harangue le public présent au Palais des Sports, Robert Aubron de Créteil. Il le sait que son équipe est en train de faire un joli coup face à Limoges. Plus 4. À 11 minutes 30 de la fin de la partie. Ça commence à sentir bon, mais évidemment, attention, c'est pas terminé. Limoges aura les ressources nécessaires pour revenir dans cette partie. Et pour Créteil, il y a aussi un match à bien négocier. Hein. Alors c'était déjà le cas face à Ivry, ça l'est aussi aujourd'hui, puisque le prochain match c'est Créteil-Nantes, ce samedi à 16h sur LNHTV. Bon, voilà. Quand vous recevez les Nantais, c'est quand même pas le match le plus simple à négocier dans la saison. Avant de se déplacer à Dunkerque. Dunkerque qui a pratiquement assuré son maintien aujourd'hui en s'imposant face à Ivry, 33-20, on le rappelle, hein, finalement c'est un score largement à l'avantage des nordistes. Et puis Nantes surtout a perdu aujourd'hui à domicile face à Saint-Raphaël, 32-27, c'est quand même une surprise. Saint-Raphaël qui souffle vraiment le chaud et le froid cette saison et qui pourtant a réussi à s'imposer à Nantes. Très très belle performance des Varois. Et forcément, quand vous perdez une fois, vous n'avez pas envie de perdre une deuxième fois. Donc ça va être un adversaire redoutable pour Créteil. Nantes, samedi 16h sur LNHTV. Très belle affiche. Hein. Soyez là, au rendez-vous. Même endroit qu'ici. Puis, je vous rappelle aussi Chambéry-Paris. Ça s'est terminé sur un 32 partout. Match nul pour le retour du public au phare. Chambéry qui ont regardé droit dans les yeux le PSG. Bravo à eux. Et sur l'autre rencontre de 19h entre Aix et Istres, le derby des Bouches-du-Rhône, il y a 28-27, c'est très serré, 28 en faveur des Aixois. Alors, retour à Créteil avec Gaïc pour le jet de 7 mètres face à Mickaël Robin. À nouveau Gaïc pour le 24e but de son équipe. Et en plus Valentin Hamann qui est sorti 2 minutes, vous l'avez peut-être suivi. Donc voilà une situation favorable pour les Limougeaux qui vont absolument devoir aussi bien défendre. Sissoko avec Babic, Giblin, Sissoko. Ah, cette paire Giblin-Sissoko, vraiment, elle est assez phénoménale. Avec Kerbalek et Idrissi, vigilant. C'était pas l'arrêt le plus compliqué à faire, hein, pour l'ancien Cristolien de retour à Créteil. Yacine Idrissi, le gardien marocain. Mais il fallait être vigilant et c'est ce qu'il a été. Pour permettre à son équipe d'avoir une balle de moins 2. Attention à Brasler. Oh oui, elle est dedans. Mais Mickaël Robin semble l'avoir prise en pleine tête. Un petit peu rouge là évidemment, hein, Mickaël Robin, mais ça semble aller.
Babic. Karvadec, Gibelin, attention, on sait qu'il est capable d'allumer le passage de bras. Grosse, grosse défense de Limoges sur Ante Babic. Hop, on y a deux là entre Brasler et Mandic. Finalement, pour obtenir ce nouveau pénalty en faveur de Créteil avec Felipe Borges qui s'est saisi du ballon. Borges face à Idrissi. Attention, il est important celui-ci. Oh, Idrissi, la parade, ça revient dans les mains de Borges. Oh, malheureux, malheureux Yacine Idrissi. Et Felipe Borges qui avait bien suivi pour ensuite ajuster Idrissi. Ah, c'est frustrant hein, quand vous êtes gardien, quand vous arrêtez le pénalty et qu'ensuite le ballon revient dans les mains de l'adversaire qui réussit finalement à vous ajuster. Oh oui, Dylan Soyer. Pastis, on va dire. Là, ça a bien bloqué ce ballon, Dylan Soyer. Sur cette tentative de Brasler. Gibelin, Karvadec. Sissoko, Karvadec finalement. La défense de Roland Dehou. Ah, et le ralenti qui nous est proposé. Et on a vu le carton rouge. Le carton rouge sorti pour cette main dans le visage de Juan Andreu. Les affaires se compliquent hein, pour Limoges. On voit ce qui s'est passé. Alors, Juan Andreu disqualifié. Limoges à 3 buts de retard. La possession pour Créteil. On est peut-être à un tournant du match là. Sissoko, ouais, Sissoko qui trouve la solution pour marquer le 29e but de son équipe. Yacine Idrissi pris à contre-pied. Absolument marqué là pour Limoges. Sous les yeux de Juan Andreu. Coupable de cette faute qui vaut un carton rouge plutôt logique. Un peu moins de 7 minutes à jouer. Allez, ça repart. Avec Brasler et Collé. Ternel, Collé, pardon. Brasler. Maternel. Et la solution sur l'aile pour trouver Gaïc.
Voilà, une belle solution trouvée là par Romain Ternel, la belle passe pour Dragan Egeic qui ensuite arrive lancé face à Dylan Soyer pour s'ouvrir l'angle et marquer ce but important, très très important. C'est pas terminé, hein, attention. Il reste du temps, des possibilités, à moins que Giblin ne mette pas fin au débat, mais en tout cas, il allume à nouveau. Johan Giblin, inarrêtable aujourd'hui, il est très très bon, très efficace aussi, hein, on le voit avec ce bras là, droit puissant pour ajuster le portier Limoges. Ça fait donc le 30e but de Créteil, signé Johan Giblin, qui vient en plus récupérer ce ballon. Lancé Valentin Aman, le duel face à Idrissi Aman. Aman plus 5 pour Créteil. Et là, ça devient très 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 compliqué pour Limoges. Alors, je sais pas, hein, dites-moi les supporters Limoges si vous y croyez encore. Si vous pensez que votre équipe peut revenir dans la partie. Mais Créteil semble quasi inarrêtable. Rassler avec Ternel, collé, le ballon important. Ils sont tous importants, mais collé répond présent sur cette fin de rencontre. Quatrième but pour lui. Sans doute sorti frustré, hein, de la rencontre face à Nantes, on le rappelle, hein, qu'il n'avait pas marqué. 0 sur 4, ben là c'est 4 sur 5 pour mieux le coller. Bravo lui, hein, ça laisse pas le temps de douter pour toutes ces équipes de Limoges, hein, qui avaient de façon connue une partie très difficile face aux Nantais. Giblin, cette fois-ci, c'est au-dessus. Voilà la possibilité pour Limoges de revenir à moins 3. Avec Collé, la parade de Dylan Soyer, très importante. Et regardez, regardez comme il a bien suivi Igor Zabic. Avec cette main là pour presque smasher ce ballon dans les buts. Hop, il était lancé. De façon pitch volley, j'ai envie de vous dire. La rage là pour Igor Zabic qui marque un but qui maintient l'espoir de Limoges, toujours mené de 3 buts ici au Palais des Sports de Créteil. Le temps mort qui va peut-être faire du bien à cette équipe cristolienne qui doit absolument gagner ses points là dans l'optique du maintien. Même chose, hein, pour Limoges, il faut gagner des points, hein, dans l'optique de l'Europe. C'est pas terminé, c'est évidemment pas fini, même si on le sait, hein, l'objectif premier d'un promu, c'est avant tout de se maintenir. Mais quand vous avez la possibilité de jouer un petit plus, voilà, ce bonus avec l'Europe en fin de saison, quand vous êtes à portée des places européennes, ben, vous essayez d'y aller quand même. Voilà, donc c'est l'objectif certainement que se sont fixés les joueurs entre eux. Pour Créteil, il faut aussi bien préparer, on le rappelle, hein, l'arrivée du futur coach Fernando Barbeito la saison prochaine, l'actuel coach adjoint de Barcelone, ancien international espagnol et sélectionneur des Émirats Arabes Unis. Il sera donc coach de Créteil. Avec déjà des arrivées à consonance hispanique, hein, on le rappelle, l'arrivée de l'ailier droit international Mario Lopez de Benidorm et le latéral gauche Pablo Paredes. Provenance de Guadalajara.
Il y a aussi d'autres arrivées, notamment celle de Thomas Pirok, l'arrière droit tchèque en provenance du championnat suisse, 20 ans, jeune prometteur. Voilà un petit peu les contours de l'équipe cristolienne de la saison prochaine qui n'a pas terminé évidemment ses mouvements. Et Yacine Idrissi avec la parade très très importante pour Limoges. À la main ferme Rassler, et là aussi il a buté sur Dylan Soyer. Finalement on va revenir à la faute. Rassler! Oh, avec ce tir à la hanche là qui remet Limoges dans la partie plus que jamais. Ils ne sont plus menés que de 2 buts les Limougeaux. Alors là ça c'est une décision qui pèse lourd, parce que regardez Boyba Sissoko qui redonne 3 buts d'avance à Créteil. C'est quasiment le but décisif dans cette partie, à moins que Limoges ne réponde immédiatement, c'est chose faite. Limoges toujours dans le coup, il reste 1 minute 10, 32-30. Oh, c'est tendu. Le speaker de Créteil qui demande le public debout pour encourager son équipe sur la dernière minute, pour tenir ce score, pourquoi pas mettre un but là qui leur assurerait la victoire. Gibelin avec Aman, le but de la victoire, ça y est pour Créteil, c'est fait, 33-30. Et donc Créteil qui va s'imposer à domicile devant son public. Alors sur quel score? Ça c'est encore à voir. Mais en tout cas ils vont bien prendre leur temps les Cristoliens. Malgré cette encore patate là de Romuald Collet. Qui aurait été très très bon pour Limoges malgré la défaite. Et évidemment Dragan Gaïc, hein, 9 buts. Voilà, la dernière possession, Sissoko, est-ce que ça va aller au bout? Ouais, ça va au bout, et ouais, et ça fait but même, 34-31, voilà donc le score final. Avec ce dernier but pour conclure la belle soirée cristolienne de Samuel Dean qui s'impose finalement, 34-31. Un match très très offensif, on l'a dit, hein, on le sentait que ça allait passer les 30 buts des deux côtés, bah, c'est chose faite. Et au final, on a vu une très très belle partie. Et Créteil qui s'impose 34-31. Très très bonne opération dans l'optique du maintien pour Créteil qui a profité du coup de la défaite d'Ivry aussi, hein, aujourd'hui face à Dunkerque. Là ça leur fait 4 points pris sur Ivry en 2 journées. Donc c'est une très très bonne opération pour les Cristoliens qui devraient... En tout cas, se maintenir sans problème. Mais ils s'en donnent les moyens. Clairement, bravo à eux pour cette belle victoire face à Limoges. Dans un instant, les réactions d'après-match des deux côtés. Avec de la joie, certainement, dans les paroles cristoliennes. Et peut-être un petit peu de déception à Limoges. On le rappelle, ça fait une seule victoire sur les 11 derniers matchs du coup en comptant cette défaite. Mais la saison aura été belle quoi qu'il arrive pour le Limoges Handball. Alors qui va venir pour une réaction sur notre micro sur LNH TV. Et puis tiens, je vous donne aussi le score de l'autre rencontre de 19h. Aix s'impose face à Istres 34-30.
Alors ça c'est important, Istres qui est aussi un concurrent pour le maintien avec, avec Créteil. Donc voilà, Créteil qui fait vraiment une superbe opération aujourd'hui en profitant des défaites d'Ivry et de Istres. Ah, ils le savent, hein, ils le savent que cette victoire elle est importante, surtout à domicile face à leur public. Applaudi évidemment par les quelques supporters présents au Palais des Sports. Et on espère qu'on pourra reprendre la prochaine saison avec des salles pleines. Ce serait une super nouvelle. Parce que ça voudrait dire que la situation sanitaire sera largement améliorée. Et qu'en plus, voilà, on aura du public toute la saison. Yacine Idriss ici pour la réaction de Limoges, déjà à notre micro. Avec le portier marocain. Yacine, ça a été un match accroché ce soir. Ça s'est décidé dans les derniers instants. On ne doutait pas de la véracité, de leur force, de leur combativité. Je sais qu'ils jouaient ce soir à leur maintien, enfin, entre guillemets. Je connais Créteil aussi pour y avoir joué. Je sais que c'est une équipe qui lâche rien. Il y a de bons éléments dans cette équipe. Félicitations à Créteil. On n'a pas été bon, moi le premier, et je m'en excuse. J'aurais dû être à la hauteur un peu de cet événement qui demandait un combat. D'être un peu des hommes sur le terrain. On n'a pas su répondre à tous ces critères. Créteil, oui, et a gagné ce match. Donc félicitations à Créteil. Il vous reste des matchs encore, mais seulement un à la maison. Vous allez vouloir tout donner sur ce match pour votre public qui vous a bien manqué. Bon, ça, c'est sûr que Beaublanc nous a manqué. Et, on a déjà eu un petit prémisse mercredi dernier face à Montpellier. On espère au moins donner une victoire samedi face à Dunkerque. Cette Dunkerque, ça va être aussi une très très grosse succurie du championnat, donc à nous de ne pas faire un match comme ce soir et de montrer autre chose à Beaublanc et à tout le peuple de Limoges. Merci. Ouais, effectivement, Beaublanc, ce sera le match samedi 18h, Limoges contre Dunkerque à domicile face avec leur public, hein, les Limougeaux. Et la réaction de Valentin Hamann pour Créteil. Voilà, maintenant, on est avec Valentin Hamann de Créteil. On le disait avec Yacine, ça s'est décidé dans les derniers instants. Mais encore une fois, Créteil a montré ses valeurs défensives et ne rien lâcher. Ouais, exactement. Bah, c'est ce qu'on s'est dit depuis le mois de janvier. C'est voilà, qu'on a fait peut-être une première partie de saison où on n'était pas à notre niveau. Mais on s'est dit que voilà, deuxième partie de saison, rien n'était joué. Et qu'il fallait qu'on se base sur des valeurs surtout défensives et puis aussi collectives. C'est ce qu'on a montré là ce soir. C'était un gros match engagé de bonhomme, j'ai envie de dire. Et puis voilà, c'est, la victoire est pour nous et on est très contents. Au-delà de la recherche du maintien, on sent quand même une équipe qui est contente de jouer ensemble et de se dépouiller sur le terrain. Oui, clairement. Bah, c'est, voilà, on se bat pour chacun de nous. Je veux dire, voilà, quand il y a quelqu'un qui est passé, bah derrière on essaie de l'aider. Je veux dire, on est vraiment, voilà, on est une équipe, on est solidaire sur n'importe quel ballon. Et on le montre quasiment chaque match, voilà, pour qu'on joue collectif. Quoi. Une dernière question, le retour du public, est-ce que ça a aidé justement dans les derniers instants pour aller choper cette victoire? Oui, ça sans aucun doute. Hein, ça fait 7 mois qu'on attend ça. Avoir une salle avec du public qui fait du bruit, surtout dans le Money Time, tout ça, c'est toujours plaisant. Et puis voilà, ils nous ont manqué. Et on espère le maintien et que l'année prochaine, on reste en Leader Star League et qu'on soit avec plein de supporters. Merci. Ah oui, ça commence à sentir bon le maintien pour Créteil, du coup, qui s'est imposé aujourd'hui face à Limoges, 34-31, on le rappelle. Le score final, et comme l'a souligné Yacine Idrissi pour Limoges, c'est peut-être ce qui a pêché effectivement de leur côté. Ce sont les gardiens, même des deux côtés, hein. C'est encore pire pour Créteil. 3 arrêts seulement pour les deux gardiens cristoliens, ça ne les a pas empêchés de s'imposer. 7 arrêts au total pour les deux gardiens limougeaux. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur LNH TV pour cette rencontre en match en retard de la 24e journée entre Créteil et Limoges. Bravo cristoliens, bravo limougeaux, c'était une belle partie. Bonne soirée à toutes et à tous, à très vite.
Vivez au cœur du handball français avec Lidl.